Salut, salut et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire une capture d'écran de Snap sans se faire voir. Alors, vous vous demandez comment faire une capture sur Snap sans que la personne ne sache que vous avez capturé le Snap. Donc, suivez ces étapes jusqu'à la fin pour bien comprendre le process. On se rend sur Snapchat. On vient de recevoir un message. Donc, ce qu'on va faire, c'est de passer en mode avion et ensuite ouvrir le snap. Donc, on passe en mode avion et on ouvre le snap. Donc, on va cliquer sur le snap, sur la photo, et ensuite faire une capture d'écran. Donc, on retourne en arrière. Voilà, ça dit que on a fait une capture, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais comme on est hors connexion, ça ne sera pas sur les serveurs de Snapchat. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de repartir en arrière et d'aller dans les paramètres. Donc, on va dans les paramètres et on scrolle complètement en bas pour se déconnecter. Donc, on se déconnecte, on fait déconnexion. Voilà, on attend que ça se déconnecte. Voilà, là, on est déconnecté. Ensuite, ce qu'on aura à faire, c'est de retourner en arrière et ensuite rallumer notre connexion maintenant, quitter le mode avion. Voilà, j'ai réactivé la connexion. Puis ensuite, on va se rendre sur Snapchat. On se rend sur Snapchat et on se reconnecte à notre compte. Voilà, je vais cliquer dessus et me reconnecter. Donc, on attend que ça charge. Voilà, on est reconnecté sur Snap. Vous voyez qu'on a un nouveau message. On ira voir nos chats. On clique dessus. Vous voyez, le message est revenu comme si on ne l'avait pas ouvert. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va repartir sur le second téléphone et voir. Et sur le second téléphone, on voit qu'il n'y a pas de notification qu'on a fait une capture d'écran. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé, merci de liker et partager et surtout, abonne-toi.